J'ai été influencé depuis très longtemps par la peinture chinoise que j'ai découvert quand j'étais étudiant en philosophie et je me suis mis à peindre. Je me suis dit, il faut absolument que tu traites ça, laisse tomber la philosophie, c'est mieux la peinture. En Occident, ce qui compte, c'est la lumière. Personnellement, ce que j'avais découvert lorsque j'étais en Provence, ce n'était pas la lumière, mais c'était les ombres qu'il y avait, qui se trouvaient aussi bien sur le sol que sur les platanes, que sur les murs des maisons. Donc un espace qui entoure. Et ça m'a ensorcelé, je me suis mis à peindre, j'ai commencé à fixer les ombres, je voulais fixer les ombres. J'aime beaucoup Francis Ponge et il m'arrive parfois de vouloir représenter des objets à l'intérieur d'un espace qui circule. J'ai envie d'intituler l'ensemble de mes dessins les transports en commun. En Occident, c'est la perspective. Moi, je n'aime pas la perspective. Je cherche autre chose. Je cherche à créer un espace qui est en mouvement. Ce que j'essaie de faire très modestement dans mon coin, c'est quelque chose qui a à voir avec un traitement de l'espace un peu asiatique. Par exemple, j'ai découvert les ikebanas. Les ikebanas, c'est l'art floral japonais. Je n'aime pas ce qui est géométrique. J'aime bien qu'il y ait des surprises sur le papier. C'est peut-être un peu mon côté un petit peu aventurier, sans exagérer, mais j'ai voulu, quand j'avais 20 ans, être marin. Il y a une hiérarchie sur les bateaux, il n'y a pas de police. Ça m'avait plu. J'étais pilotin, et au retour, on a essuyé une très forte tempête, et c'était moi qui étais à la barre à ce moment-là. Et j'ai ressenti quelque chose, un plaisir, disons. Un plaisir responsable, de responsabilité en même temps. Je contrôlais une situation, voilà. Dessiner des nus, ou même la tauromachie également, c'est très mouvementé. C'est un espace qui essaie d'éviter, qui essaie de s'éviter, disons. Qui tourne autour de lui-même. C'est un espace que j'essaie d'apprivoiser, disons qu'il est amical.